Salut, salut la famille. Lolo Fodia prise au piège ou non, on ne sait pas trop, mais tout ce qu'on sait, que voilà un nouveau scandale. La fois passée, on parlait que non, Sonko et tout s'est retrouvé dehors. Oui, dehors. En fait, apparemment, où elle a eu à sortir avec tel homme, c'est elle-même qui s'est victimisée toujours, tant que non. Elle accusait toujours des blogueuses. Comment c'est un nouveau encore scandale, toujours maintenant, le scandale de l'entourement. Apparemment, elle entourement avec presque toute la République. On ne sait pas si c'est un piège ou pas. Ou alors, on cherche uniquement à la salir. Parce que, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, certaines personnes de son entourage, la connaissant, croient, ils savent, ils confirment que non. Si c'est qu'on est en train de dire là, ça peut être ça. Il y a, ce sont ces femmes qui sont là qui disent que non, ça doit être un sabotage. On sait que non, ces femmes sont capables, comme c'est le clash, ils sont capables d'inventer. En plus, aussi que la personne qui parle de ça, elle n'est pas en clash avec Lolo Fodia. Donc, ils ont géré certains trucs ensemble, plusieurs coups ensemble, vu que cette personne, c'est elle qui a présenté Lolo Fodia. Donc, personne n'était là. Elle n'est pas accusée non plus aujourd'hui que c'est Fleur Delisle qui a balancé ces choses dehors. Non. Donc, c'est les mêmes personnes avec qui elle est partie faire les 100 coups là. Ce sont les mêmes personnes là qui viennent la trahir aujourd'hui. Ce sont les mêmes personnes là qui balancent sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle-même aussi, c'est elle qui a commencé à les taquiner comme quoi elle va balancer tout ce qu'elle a d'eux. Et personne aussi, on appelle ça aussi, c'est la légitime défense. Donc la personne aussi se défend simplement que quand j'écoute une personne aujourd'hui dire qu'elle va balancer tout ce qu'elle a de moi, ça m'étonne. Par contre, moi, je sais tout ce qu'elle a eu à faire au pays. Elle a tabassé avec presque toute la République. Oui. Je ne sais pas, concernant la République, je ne sais pas si c'est un piège ou pas. Je m'interroge jusqu'à preuve de contraire que, mais elle a été piégée ou comment? Ou alors, parce qu'il faut rappeler qu'au pays, il y a souvent certaines personnes qui font comment? Ils sont avec toi. Il parle, mais il parle déjà son combi. Comme tu vois, l'Angala est facile. Il va aussi tabasser. Il finit de tabasser. Il dit que l'Angala sort de Mbeng. Non, maman, ça, ça y est. Il va aussi goûter, non? Donc, tout le monde, maintenant, commence à te goûter aujourd'hui. On dit que mais, les musiciens ont tabassé. Les journalistes ont tabassé. Tout le monde, c'est proche. Donc, il suffit seulement que, dès qu'elle boit seulement un peu. Donc, tu la mets prendre un poisson brisé ou alors le poulet. Tu manges avec elle. En même temps, tu massacres. Les massacres jusqu'à aujourd'hui, maintenant, c'est versé dehors. Et ces personnes-là, on ne l'assume pas. Aujourd'hui, ces personnes-là réunies qu'elle parle. Donc, si c'est qu'elle veut balancer, elle balance tout. Ces personnes-là disent qu'ils ne reconnaissent rien à voir faire avec elle. Ces personnes-là disent que c'est la chute du deuil. Oui. Aujourd'hui, ces mêmes personnes-là, la crainte de Kenanvu. Que si on parle même d'une femme, on ne peut pas la parler. Que si elle tente de parler, même ma femme d'abord ne peut pas accepter que c'est aujourd'hui la femme-là qui est avec. Parce qu'il y a certains hommes qui disent souvent que non, même ma femme, même si on lui dit que j'ai sorti avec celle-ci, elle est la qualité de la personne avec qui je sors. Apparemment, où est partie tabasser comme ça avec eux? C'est dans zéro même. Donc, elle n'est pas tabassée comme ça. La personne, non seulement le poisson brisé et une jambe, c'est tout. Et après, maintenant, maintenant, c'est elle deux fois qui appelle la personne qu'aujourd'hui j'ai aimé ça. Viens me retrouver, t'es pardon, c'est elle qui dépense ma corps. Ils sont là, disque. Ils n'ont jamais fait quelque chose avec eux. Oui. Et aujourd'hui, elle est obligée maintenant de les faire chanter pour dire que vous racontez quoi. Aujourd'hui, non, elle tient pas le chantage que tu tentes, je vais balancer. N'oublie pas qu'on a nos échanges ensemble. C'est pour cela, maintenant, beaucoup de ces personnes-là sont obligées de céder. Beaucoup sont maintenant obligées de marcher à ses pas. Oui, mais il y a certaines personnes qui disent que tant que tu as me senti, que moi, je ne t'avais pas appelé, c'est toi qui, même qui courais vers moi, en fait. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'un homme tabasse avec toi, l'homme l'a pas dit que, j'ai tabassé avec la fille-là. Je ne sais pas si c'était juste que, on lui est pris au piège, ou alors, ils ont fait comme un testament, quand on dit que non, les filles de Mbeng, quand ils arrivent là, est-ce qu'on lui a demandé, est-ce qu'on fabrique, est-ce qu'on a le moule? Je ne sais pas si c'est que c'est un piège ou alors c'est elle-même que comme elle voyait un bon plantain, elle voyait que non, ce qui est à la maison est mou, ça tombe blanc. Elle a vu ce qui est en non, parce qu'elle m'a aussi dit que non. Parce qu'elle fait tous ses éloges, elle dit toujours que non. Le pénis des gars bêtis, c'est la magie. Oh, que quand un gars bêtis te tient, tu confirmes. Donc, putain, la période qu'elle parlait comme ça, c'était pas Fodia. Oui, aujourd'hui, Lolo Fodia peut se permettre de jouir de sa vie comme elle veut. Aujourd'hui, Lolo Fodia peut sortir avec tout le continent là-bas, ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, elle peut tabasser avec tout le peuple, même que ce soit en France, que ce soit au Cameroun. Oui, c'est un homme, non, c'est un homme, un mari, pas tabasser. Notre problème, c'est où il va gérer ça avec sa femme. Mais le problème, c'est que pour le moment, si on parle de ça, c'est parce que la période-là, elle va pas Fodia. Et vu qu'un temps, ça chauffe aussi que pas Fodia est parti, scandale, scandale chaque mois. Le mois passé, c'était qu'on parlait de elle et pas Fodia. Après, encore, elle est sortie avec l'histoire de Madoka, qui venait sa défense PM. Et maintenant, maintenant, l'histoire aussi de Machan qui arrive, comme elle veut tenir Machan au chantant. Machan aussi a décidé que tu ne peux pas me faire ça. Tu es né hier. Oui, quand on parlait, ma petite. Donc, comme les choses que tu racontes, que tu as fait dehors, là, non, tu ne peux pas faire ça avec moi. Pourquoi? Parce que, à part, tu as même tabassé avec un diman que je connais. Elle même dit qu'elle avoue, elle confirme que non. Elle a tabassé avec un diman là, que le diman là aussi a voulu le faire. Elle a dit que tu dans ta tête là, il y a quoi dedans? Donc, tu tabasses avec le loto aussi, je viens me faire ça. Jusqu'à dire à l'homme là que tant que je viens avec le député sur toi, l'homme aussi est resté tranquille. Que, donc, c'est juste pour dire que, moi, aujourd'hui, si elle parle de ça, c'est pour attirer aussi l'attention peut-être aux fans de Lolo Fodia que. Dans la vie, ce n'est pas qu'on déteste votre personne. Moi, je n'ai rien à voir avec Lolo Fodia. Moi, je décrypte juste parce que quand il y a quelque chose qui chauffe dehors, il faut parler de ça. Parce que je prends un peu l'exemple, si je commence à parler de
la mère du Canada, où je parle de l'eau, la PDG, les plantains, comme on parle de l'histoire, qu'elle a pris l'argent, je ne pense pas que vous serez intéressé. Non, vous allez écouter, après vous-même, vous allez sortir. Non, comme c'est le Japon, tu écoutes jusqu'à la fin, après tu es obligé, capitaine, de mettre un commentaire. Tous les commentaires positifs, négatifs, j'accepte ça et j'accepte aux critiques. Ça te permet aussi de changer ou alors d'améliorer ton blog. C'est juste pour dire aussi à certaines personnes qui disent que, oh, tu as des problèmes avec le Lofoja. Laisse le Lofoja, je n'ai aucun problème avec le Lofoja. Oui? Elle-même, elle sait, je n'ai aucun problème avec elle. C'est elle-même, quand elle sait, elle-même sera butée parce que c'est aujourd'hui, c'est son problème. Si elle-même tombe sur elle, elle voit un dossier, elle-même va parler. Je me rappelle quand on parlait des infrastructures qui partaient à Dubaï, elle-même a parlé de ça. L'affaire de Coco Emilia, elle a parlé. Est-ce qu'elle laissait un sujet passer? Non, elle ne laissait pas un sujet passer. Mais elle a allumé sa caméra pour parler aux influenceuses qui sont au pays là que, oui, à peine quelqu'un est devenu comédien, la personne ne voyage pas à Dubaï. À peine la personne est devenue comédienne, ils ont ouvert toutes les boutiques, que c'est l'argent de quoi? Elle-même a parlé de ça, non? Que, oh, on connaît ce qu'ils font, ils partent faire à Dubaï. On connaît ce qu'ils font au pays, qu'ils sortent avec les hommes mariés, oui, ce sont les hommes là qui leur donnent l'argent, que les filles prennent l'argent, ou tous ils roulent dans les grosses voitures. C'est moi qui parlais, c'est Lolo Fodjana. On peut tout ressortir cette vidéo là. C'est elle qui parlait. Hmm? Pourquoi la bonne n'a pas dit que non? Pourquoi elle s'acharne trop sur les enfants là? Pourquoi elle parle laisser ses enfants là? Même vous, ces femmes, vous êtes en train d'applaudir. Oui, moi, la parole là, j'écoutais ce qu'elle disait. Parce que je trouvais qu'elle a raison. Oui. Quand quelqu'un parle quelque chose, même si tu n'es pas avec la personne là, ne dis pas que non, je ne supporte. Ne dis pas que oh, je supporte Fleur de Lille. Non. C'est parce que c'est l'actualité du moment. Et je ne peux pas aller fabriquer une actualité pour venir parler. Je n'invente pas. Je ne fais pas dans les clashs. C'est celui qui clash qui invente. Parce que le clash, on invente. Moi, je décris. Ce que je vois, j'imagine peut-être comme si c'est mon frère, comme si c'est ma soeur. Est-ce que si on fait ça à mon frère, ça va me plaire? Non! Si mon frère est marié avec Lolo Fodja, j'entends tout ce qui se passe, ça va me plaire. Non. Si même mon frère est marié avec Lolo Fodja, j'entends que c'est lui qui menace Lolo Fodja, c'est lui qui arrive quand il est au pays, il sort avec plusieurs femmes. Ça ne doit pas me plaire. Parce qu'en tant qu'une femme, je vois comme si moi aussi on peut me faire ça, c'est vite fait ça. Oui? Donc, juste pour dire que quand on décrit quelque chose, ne prenez second degré, ne mettez pas trop les vers, pas tous les organes. Pourquoi? Parce que moi, je ne la clash pas. Moi, je décrypte juste. Je vois tout ce qui est sur la toile, ce qu'on est en train de parler actuellement. C'est ça qui chauffe. Tous les blogueuses en parlent. Oui. Parce que quand une blogueuse fait son direct, moi aussi je prends, je décrypte. Oui. Ce n'est pas que moi, si j'ai pris ça uniquement ailleurs, non. Donc je peux parler à certaines personnes qui viennent mettre en commentaire que oh, tu es là, tu parles de Lolo Fodja. Je parle de Lolo Fodja, c'est moi qui ai commencé à parler de Lolo Fodja. Non, j'ai pris ça aussi sur la toile. C'est comme on dit, il y a un adage qui dit que quand quelque chose se retrouve sur la toile, tout le monde a le droit de le commenter. Tout le monde a le droit de commenter et de donner son avis sur ça. Donc quand je suis trouvé quelque chose sur la toile, je vais trier. Hein? Je vais faire peut-être vue ignorée. Non, c'est elle qui parle. Parce qu'elle-même dit, elle aime qu'on parle d'elle. Elle me dit toujours que son nom fait vendre. Quand les gens parlent d'elle, elle laisse qu'on parle mal de moi. Elle dit qu'elle-même, elle se sent. Même quand on parle bien d'elle, elle se sent. Oui, ça permet que non, on sait quand même que Lolo Fodja est là. Si on ne parle pas d'elle, ça signifie que son blog n'existe plus. Il faut aussi apprendre à comprendre ça. C'est comme une musicienne qui ne chante plus. On dit que sa carrière est terminée. Mais quand on parle d'une personne tous les jours, on sait que non, elle est là. Mais il y a souvent aussi quand on se voit qu'il faut souvent parler d'une personne positivement. Toujours le négatif. Même l'homme qui viendra pour l'assumer, ça ne sera pas facile. Un blanc ou un français ou un méca, ce n'est que les gens de personnes, mais un Camerounais avec tout ce qu'on est en train de parler sur elle là, ça ne sera pas facile. Quelle Agnès Presse avec tout le continent, après comme elle est partie au Cameroun. Elle n'a jamais avec toi, avec l'ami, elle est dedans. Avec le journal, avec les musiciens, elle est dedans. Personne qui a savait qu'ils se connaissent. Ce n'est pas qu'ils ne se connaissent pas. Sauf peut-être une personne. C'est le monsieur de Douala qu'on parle qu'il a le snack là. Peut-être ce n'est que lui. C'est lui qui a le nom du cœur, c'est le whisky. Il a tabassé avec elle gratuitement. Même c'est un franc. Oh, il n'a rien donné. Mais toutes les personnes qu'on parle à Yaoundé là, toutes ces personnes-là se connaissent. Ils se fréquentent. On peut faire ça. C'est la partie là que je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est le piège ou pas. On peut faire ça aussi. Elle aussi, elle a été piégée. Piégée en quel sens? Ce n'est pas que pour dire que non, elle ne connaissait pas. Non, elle-même aussi, elle est partie. C'est elle-même qui a décidé de livrer son corps. Si elle disait que non, elle conserve son corps, elle disait que non. Son corps n'est pas... C'est une femme mariée. Elle, son corps, c'est rien qu'uniquement pour son mari. Si elle avance, elle dit que non, désolé, monsieur, j'ai un homme à la maison. Même si je suis venue au Cameroun, certes, peut-être sur ma musée, mais je respecte mon mari. Oui, parce que je suis une femme au foyer. Vous-même qui avez un homme au foyer, elle doit prendre les armes comme ça. Toi qui me fais les avances aujourd'hui, si toi, tu entends que... Un homme a dragué ta femme jusqu'à ils sont partis à l'acte. Ça va te plaire, c'est ce qu'elle devait dire à cette personne-là. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a ouvert ses jambes comme si elle attendait. Si elle est pour beaucoup. Pourquoi? Parce que même si c'est un piège, que je pense que peut-être c'est un piège, mais elle devait peut-être dire que non. Elle pouvait tabasser avec une personne, elle dit que c'est l'erreur. C'est arrivé, son couteau grattait. Elle-même a dit qu'elle est une femme.
C'est ce qu'elle dit dans ses vidéos, qu'elle est une femme flagueuse. Est-ce qu'elle ne donne pas? Elle dit que est-ce qu'elle elle a la fabrique, est-ce qu'elle a le moule? Et quand elle se vante de ça, elle dit carrément que est-ce qu'on a compris donc que c'est les clochards? Elle-même qui vous dit que ce n'est pas n'importe qui cette personne-là. Donc elle se vante de ça. Elle est fière. Il y a certaines personnes de son entourage qui sont fâchées d'elle. Oui, il y a certaines personnes de son entourage qui sont fâchées d'elle. Il y en a aussi qui compatissent sa douleur, que eux-mêmes ça les fait vraiment mal, qui sont fâchés d'elle dans le sens que non. À un moment donné, toi aussi, change ton comportement. Tu n'es pas quand même parti au Cameroun. On entend ce qui est en train de sortir là, c'est sale. Qui sont fâchés d'elle? Ce sont les femmes peut-être qui sont mariées. Que eux-mêmes, ils imaginent peut-être que sa propre copine tabasse avec son mari, que peut-être si elle n'est pas là, elle va seulement peut-être de prendre. Elle n'est pas peut-être à la boutique acheter quelque chose, elle est son mari peut-être avec le lofotia. C'est que le lofotia peut-être risque de passer à l'acte. Toute personne qui te suit, qui sont d'accord avec ce que tu fais, ou qui apprécie ce que toi-même tu fais, non. Il y en a qui n'apprécient pas. Il y en a qui n'aiment même pas. Oui. Mais, même si tu soutiens une personne comment, à un moment donné, tu dis que non, tu baisses tes armes. Voilà le Madoc, qu'est-ce qu'il a, qui était ici tous les jours, elle parlait de lofotia. Vous la voyez encore parler de ça, elle ne parle plus. Oui, elle a compris que non. Que de fois tu peux défendre une personne, hein, qu'elle n'est pas peut-être trouvé le mouton. Comme elle dit toujours qu'il y a les moutons sur la tête, elle dit qu'elle n'est pas là. Elle a porté son soutien à Lolo Fodja. À un moment donné, quand elle comprend que non, il y a trop de saleté à l'intérieur, elle se retire. Mm-hmm. Elle demande maintenant, vu qu'elle-même, elle dit qu'elle n'est pas Lolo Mania. Elle est juste une sympathisante. Elle a voulu peut-être avoir tout l'acharnement qui était sur Lolo Fodja. Elle a aussi décidé d'apporter son soutien à Lolo Fodja. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit que même c'était Fleur de Lille qui était attaquée, elle aussi, elle devait allumer sa caméra, elle devait parler la même chose. Ce que Madoka a dit, ce n'est pas qu'elle soutenait Lolo Fodja, peut-être parce qu'elle voulait trop, non. Elle pensait peut-être qu'il y a l'injustice, mais aujourd'hui, elle a décidé de ne pas parler. Elle a dit que non, que les Lolo Mania, eux, peuvent allumer leur caméra, ils viennent au secours à Lolo Fodja. Quelque chose qu'on défend, quelque chose qu'on ne défend pas. Quand tu commences à comprendre le fond et la forme, tu comprends que nous, l'affaire, si ça peut, ta tête peut rester dedans. Toi-même, maintenant, toi aussi, théorique, tu commences à voir ça à distance. Elle-même, là, elle a apporté son soutien à qui on a vu. À un moment donné, il ne faut pas toujours voir tout que oh, la personne parle mal, oh, la personne déteste Lolo Fodja. Non! Si tu es une femme qui raisonne, tu fermes tes yeux. Parce que tu quand on entend que tu parles, c'est comme si tu soutiens toujours une personne. Je ne soutiens personne. Si je parle quelque chose, c'est parce que j'ai vu ça, la chose là sur la toile. Et je décrypte, je prends tous les sujets qui sont captivants sur la toile. Je prends tous les sujets qui animent sur la toile. Oui. Je décrypte uniquement les sujets qui voient que beaucoup de personnes sont intéressées. C'est ça qui me pousse à décrypter. Je ne peux pas aller décrypter peut-être un sujet de nourriture. Que toi-même là qui parles, tu ne peux pas mieux que cette personne-là. Tu veux que je prenne, je vais aller décrypter peut-être que tu as doudou à bien préparer sa nourriture. Moi, je vois peut-être comment elle est en train de faire. J'ai mangé ça, non. Je vais aller décrypter ça en vertu de quoi? Question. Moi, je ne prépare pas. C'est tous les jours qu'on passe la même chose. Mmh. Tu vas aller décrypter quelqu'un qui ne peut pas mieux que toi. Elle est en train peut-être d'expliquer comment on prépare. Tu vas aller décrypter sa vidéo en vertu de quoi? Question. Même dans la cuisine, de fois, on fait les erreurs. Tu peux peut-être faire autre chose en même temps, peut-être le couteau tombe au sol. Il faut peut-être que tu l'arrives. C'est une chose que tu ne peux pas décrypter là où il y a le Congo. Ça. Non, c'est juste pour attirer l'attention à certaines personnes qui disent que oh, je fais quoi, machin, Lolo Fodja. Non. Je décrypte uniquement mon blog, elle a uniquement décryptage du Congo, ça. Décryptage du Japap, du Tchotcho. Oui, du Kwakwatoya. C'est ça mon décryptage. Je ne suis pas là pour décrypter, peut-être parce que pour faire plaisir aux gens que non, pour les beaux yeux des gens, non. Je décrypte ce que toi-même, même toi-même qui viens commenter là, c'est parce que tu as écouté. Si je parle, peut-être, je décrypte peut-être un sujet, peut-être de nourriture. Tu vas venir écouter quoi? Je dirais l'autre jour, là où j'ai découpé les choux. Tu es venu? Non. Tu as commenté? Non. Mais j'ai quand même dit que j'étais juste pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas tout comme tous les jours qu'on m'a décrypté, peut-être parler des gens. C'était juste pour voir certaines personnes qui viennent me mettre en commentaire là que wow, tu es toujours en train de parler de foot. J'ai fait ça sciemment. Que bon, venez alors, on voit. Comme ça, peut-être en journée. Même 2 à 3, 4 fois, 5 fois après, ils vont voir que si vous ne commentez pas, ils comprennent que non. Vous-même, vous aimez ça. Oui. Vous-même, vous aimez ça. Si je commence à dire que bon, aujourd'hui on parle, on fait un peu les perruques, on tisse les perruques, vous serez là. Dès que tu vas voir comment les gens vont tisser, tu vas dire que tu es pour mieux, tu es pour au salon, ça ne t'intéresse pas. T'es négatif, ça te plaît quand même. Mm-hmm. Donc c'est juste pour dire à certaines personnes que si vous voyez quelqu'un décrypter un sujet, si ça ne te plaît pas, tu sors tranquillement. Tu n'es pas obligé de laisser un commentaire. Je ne t'ai jamais dit que je déteste Lolo Fodja. Tu m'as jamais vu l'appeler pipi, tu m'as jamais vu l'appeler tous les sobriquets de cette toile. Non. Je l'appelle avec respect. Oui, je l'appelle Lolo Fodja. Parce que elle-même là,
C'est avec ce nom-là qu'on lui a connu sur la toile. D'autres m'ont dit que non, ne mets plus Fodja. Je ne mets plus Fodja. Pourquoi? Par rapport à quoi? Hmm? Elle-même, tant de fois, elle-même, elle parle, elle-même, elle s'égare. Elle dit toujours, elle dit que Lolo, l'homme, bien. Après, elle dit encore Lolo Fodja. Elle dit qu'en tout cas, c'est sorti comme c'est sorti. Que le nom-là, elle a arraché sa roi. C'est moi qui dis que j'ai arraché roi. C'est elle qui dit qu'elle a arraché le nom Fodja roi. C'est une personne, quand tu parles, c'est qu'eux, ils veulent entendre. Non. Moi, je ne suis pas dans ça. Je décrypte ce que je vois. Donc, en tout cas, la famille, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Si tu es nouveau sur la page, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Et je dis encore merci à toutes ces personnes-là qui me suivent, qui me font confiance, toutes ces personnes-là qui s'abonnent tous les jours, qui me disent en commentaire comme quoi j'aime ce que tu fais, j'aime ta façon de décrypter. Moi, en plus, ce sont eux qui me poussent encore plus à améliorer mon blog, sans vous mentir.